Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Resident Evil 4. Eh oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus moi? Bon. J'ai recommencé la partie en facile parce que ça me faisait chier, hein. Donc oui, les médaillons bleus, là, 15 médaillons bleus, 7 dans la ferme, 8 dans le cimetière. Ceux qui détruiront 10 médaillons plus recevront la suite est illisible. On reçoit une récompense. Et oui, j'ai tué des poules. Ah non, c'est vrai, le pont des oeufs elle-même. Mais il est bugué le chien? Ah non. Je croyais qu'il était bugué, mais non. Rien, à part une fois, ça pue rien, nauséabonde. Mais regarde-moi ça. Comment tu peux faire un truc aussi dégueulasse? Bon, il y avait des ennemis, mais je les ai tous butés, hein. Rien de particulier. Je vais quand même les faire parce que la récompense, elle est sympa, hein. Puis bon, je vais pas cheater dans ce jeu-là. Ah, c'est pas de raison de le faire, en fait. Oui, le chien, je suppose qu'il est maltraité pour avoir peur de tout comme ça. Je voulais pas exactement faire ça, je me suis fait peur à moi-même. Je me suis planté de touche. Voilà. Ça, c'est les réflexes à avoir dans ce jeu. Mais le menu est moche. Je sais, le menu sur... Putain, le menu sur PS2 était pas aussi moche. En tout cas, je me souviens plus où sont les médaillons, mais je vais les chercher, hein. Il y en a un ici. Voilà. Il disait quoi le dossier là déjà? Fichier. Non, je m'en fous. Ouais, non, alors ça, ouais. Pendentif à perles sales parce que cet abruti a réouvert le puits après que je l'ai fermé. Je lui ai rien demandé, hein, mais il l'a réouvert. Médaillon bleu. Combien? 7 dans la ferme. Bon. Quelques-uns à trouver, mais je sais plus où ils sont. Ah oui, il y a moyen de passer de l'autre côté, attendez. Je sais plus comment. Je sais qu'il faut aller de l'autre côté pour avoir un médaillon bleu. Oui, on va peut-être faire ça tout du long, mais rien à foutre, hein. Oui, les pesetas, ça va pas être pour rien, hein. Non, je rappelle qu'à l'époque de sortie de ce jeu, on était déjà à l'euro, hein. Bon, on s'en branle. C'est un détail à ce stade. J'aimerais replacer l'échelle, c'est possible. Parce que je sais qu'il y a moyen de passer de l'autre côté. Je sais plus comment. Mais ça doit pas être bien compliqué. J'ai bien fait de buter l'incroyable tas de connards qui se tenaient ici. Il y en avait quelques-uns. Bon. C'est moi qui joue au con là, c'est pas possible. Bon, en tout cas, je gagne plein de trésors à revendre à l'autre connard à la fin.
Et vous allez voir ici, je sais pas, le... Dans ce jeu, en tout cas... Bah, c'est justifié, le vendeur. Enfin, c'est justifié, c'est... C'est à dire, ça. Voilà un autre. Je l'avais pas vu. Ah bah, c'est par là. Voilà, c'est tout bête. Vous avez obtenu le shop. Waouh. Génial. Voilà. C'est juste pour se faire un raccourci ensuite pour repasser. Bon, il disait combien dans la ferme déjà? Ouais, j'ai pas envie de me faire chier avec des zombies là. Hein. Je suis tranquille là. 7 dans la ferme, 8 dans le cimetière. Ok. C'est au moins le mérite d'être clair. Merde, j'ai oublié de... Aïe. J'avais un peu oublié de baisser le son du jeu. Ouah, la tête de Léon en fait, là il a un peu la tête du mec qui se dit putain, est-ce que j'ai bien éteint le four en sortant? Et non, je ne vais pas tirer sur ce foutu clébard. Déjà, parce que c'est juste un chien maltraité. C'est rien d'autre. Putain, mais il tremble tellement. Non mais sérieux, mais... Ça, ça a été ajouté sur la version PC, hein. Les mecs, ils se sont dit, ah, Léon, il tremble pas assez dans cette version. Tremble comme un connard. Bon, c'était combien déjà? Pourquoi je veux tout le temps aller regarder ça? C'est facile à retenir, attends. 7 dans la ferme. Puis je vois où les médaillons bleus que j'ai? Parce que j'ai seulement moyen de les voir. Non mais ils sont indiqués sur la carte. Pourquoi je me fais chier? Oui le jeu? Tu fais quoi là? Ok. Donc si je vais par là... Ils sont indiqués sur la carte en plus, non mais ça va. Oh putain. Voilà. Ok, et dernier. Dernier est par là. Nickel. Ça va, ce sera pas trop dur. Vous savez ce que reproche la plupart des gens à ce jeu? Le fait d'être une mission d'escorte géante. Ouais, ça emmerde prodigieusement les gens, ça, en général. Ah. Trouvé. Regardez-moi ça. Je ne bouge pas, là, avec le joystick, hein. Non, non, je bouge pas. Enfin, si, je bouge pour essayer d'ajuster le tir, quoi, mais... Faudra vraiment que je me remette la version PS2 et voir si ça le fait, hein. Cela, c'est du foutage de gueule. Regardez-moi ça, j'étais dessus, mais il a pas voulu. C'est de la merde. Bon. Ouais, si quelqu'un m'aidait... Ce fameux quelqu'un, crois-moi, tu veux pas le... Tu veux pas être avec. Oui, non, je vais pas spoiler pour ceux qui connaîtraient absolument pas le jeu, mais bon... On va dire que là, pour l'instant, on s'amuse, c'est cool, c'est sympa, hein, mais ça va pas durer. Mmh.
Ah oui, et puis comme je vous l'ai dit, Resident Evil 4, c'est le premier jeu où il y a des QTE dedans, enfin, pour moi, hein. Ouais. J'ai déjà vu ce panneau. Non. Ou alors j'en ai loupé un. Voilà, QTE. C'est l'endroit où je peux mourir assez facilement, là. Voilà. Et il paraît qu'au clavier, c'est QTE, il bug. Eh oui. Eh oui, Jamy. Encore le même panneau. Ouais. On va voir si je peux faire une chose. Ça va, je te dérange pas, mec. Putain! What? Non mais c'est qu'il tire super bien le con. Ouais bah voilà, il tirera plus jamais. Je l'ai vu l'abruti, hein, vous en faites pas, mais j'essaie de le viser d'un endroit où il peut pas me voir. Mais je suis dessus là. Oui, bah bien sûr. Non mais, vous avez vu le nombre de balles là? À un moment, il faut se calmer, hein. Ah, et sinon, l'Europe, c'est pas l'Australie, hein. Des araignées comme ça, on en a pas, merci. Ouais, et puis en fait, je vais pas me faire chier, hein, je veux dire. Voilà, merci. What? Mais putain! Crève! C'est bon! Merde! Putain! Je me souvenais pas de ça, hein. Je suis en facile, là. Facile, t'as des ennemis qui peuvent te retirer toute ta vie. C'est logique. C'est évidemment logique. Bon. On va juste aller voir un peu plus loin, hein. Ah oui, je me souviens de ça. Non, 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 pas tout de suite, hein. Pas tout de suite. La prochaine fois. Je
J'ai envie de taper toute la cinématique et tout. Donc voilà les gens, si cette vidéo vous a plu, vous laissez un j'aime, vous rentrez, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, à la mettre en favori, tout ça nous ferait vraiment plaisir. Vous aussi me rejoindre. Non, en fait, non, je vais plus le dire. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasmand pour vous servir, allez bye. Waouh, il y a des trucs par terre. Ah mais sérieux! Oh la surenchère toi! Non mais laisse tomber ton boss, c'est tellement surenchère en fait. Bon attends, je crois que je vais prendre le lance-grenade hein, renard. Ouais, ouais, en attendant je te propose un petit heal. Renard c'est la heal aussi tout fait. Oui c'est ça, depuis tout à l'heure hein. Bah depuis le début du jeu hein, bon.